I saw something on Instagram and I had to try it. So I took a nice filet of fish. J'ai pris un beau filet de poisson. J'ai lavé mon limon. I wash my lemon. I'm gonna drop some lemon zest on it. A nice lemon zest. On va mettre beaucoup de zeste de citron pour que ça donne un bon petit goût citronné. A nice tangy lemon taste. On va mettre de l'huile d'olive, some olive oil. I put my oven on at 400. J'ai mis mon four à 200. On va mettre du sel et du poivre. Et on va cuire comme ça. We're gonna 15-20 minutes. 15-20 minutes. Avec de l'huile d'olive. I put my pan with olive oil. I bring it here because it's full of juice. We're gonna put the tomato, diced tomato, shallots, garlic. We're gonna make that sauté well, well, well. On va faire sauter ça. Des tomates, des échalotes. Une échalote. 7, 8 tomates. De l'ail. On va faire sauter ça. Je rajoute mes pâtes. I add the pasta. I choose spaghetti. It's not spaghetti, it's thin spaghetti, 6 to 7 minutes. C'est des spaghettis fines, 6 à 7 minutes de cuisson. Là, je rajoute aussi une canne entière d'anchois avec son huile. A small can of anchovy with its oil. And you'll see it's gonna melt during the cooking. Ça va fondre pendant la cuisson, donc je rajoute au début. Ça va prendre le goût, mais ça va fondre. I put it really in the beginning because it's gonna take the taste, but it's gonna melt. So we need the taste. Here I have a mix of olive with some oregano, thyme. J'ai un mix d'olive avec de l'origan, du thym. J'en ai pris comme ça. J'ai enlevé le noyau. Je les ai coupés. Je les ai mangés aussi. I ate them as well. Ça sent déjà bon, can you believe? On rajoute une bonne cuillère de capre. A nice tablespoon or two of caper with the juice, avec le jus. And now you're gonna be careful with the salt because everything here is very salty. On va faire attention avec le sel parce que tout est bien salé. Alors d'abord vous allez goûter, on va poivrer. We're gonna pepper it, but we're not gonna salt it yet. On va mettre du poivre. We're gonna put some pepper. A lot of pepper. You can put some spice also, like a little serrano or a little peno. You can put some spice. Me, I don't put because of the kids. Mais vous pouvez mettre un petit peu de piment pour relever aussi. Moi, j'en mets pas à cause des enfants, mais sinon, un petit peu de piment, c'est super sympa aussi. Voilà. On va mettre. On rajoute des épinards. Des épinards frais. We add some spinach, fresh spinach. Les pâtes, elles sont prêtes. Je vais jeter de l'eau dedans. I'm gonna take at least half a cup of the water from the pasta. On rajoute les pâtes. We add the pasta.
J'en ai fait beaucoup parce qu'il y a, y a deux de mes enfants qui n'aiment pas avec la sauce, ils les aiment comme ça. I did a lot of pasta because two of my kids like it just plain pasta with olive oil, salt. On remue. Et attendez, c'est pas fini. It's not finished yet. J'ai sorti le poisson, I took the fish out perfectly cooked. 20 minutes. We take the pasta. Elles sont lâchées. Attention, c'est chaud avec l'or. Attends. Tu fais un petit plat comme ça. Et ça, c'est pas pour toi alors, parce que je suis en train de leur montrer comment faire. Et tes pâtes à toi sans rien, je crois pas que ça leur intéresse. Ketchup, I did a beautiful sauce. De pâte. On rajoute la sauce. Bien, est-ce que tu veux ces pâtes là ou tu veux que des pâtes avec du ketchup? Et on rajoute on top of it. On va rajouter. Je vais vous faire de la. Maintenant, on prend le poisson. Je vais prendre un bout de poisson comme ça. Je vais enlever la peau. I'm gonna take off the skin of it. But franchement, if it's well cooked and back, you don't need to have a lot of problem. When you add it to the pasta on top, like that. A nice pinch of lemon zest, some black pepper, et voici voilà. Et j'ai pas rajouté de sel. I didn't add some salt. You really don't need it. Enjoy. Franchement, ça a l'air de folie ou pas? Regardez le poisson comme il est bien, bien cuit de partout. I take you a picture now because it has to be pictured.